la merde, mais... Oh, le retour de l'arme! Il est faramineux! Il est faramineux ce retour d'arme! Bam! Bam, bam! 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 Et un jump! Voilà. Ouais, donc on va retourner en arrière, mon collègue. Ne traînons pas ici, l'endroit est trop dangereux. Gardez l'œil ouvert. Mais de quoi il est dangereux? T'es une tarlouse aussi, toi, ma parole. Ne traînons pas ici, l'endroit oh, est trop dangereux. Toi gardez l'œil ouvert. Mais je vais le fouiller. Putain, je peux pas le fouiller. Continuez. Ah, tais-toi, donc. Porte couille. Pendant tes terres. Hop. Bah oui, bah bien sûr, heureusement que je suis allé par là. Sir Sagrel était un brigand futé, toujours gay et enjoué. Venez donc écouter la chanson de celui qui ne connaissait pas la peur, de celui qui est à jamais dans nos cœurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dialogue dans ce jeu. Hop, voilà. On va passer à gauche. On va d'abord fouiller là-dedans, voilà. Marteau conducteur. Hop. Le voilà. Là, y a rien. Là, bah, y a rien. Hop, donc là. Bon, bah, là, il y a quelque chose, hein. Et ouais, ça tire les fleurs. Les Calamites s'est entouré d'alliés puissants. Ouais. Je sais pas de quoi tu parles, mais si tu veux. Calamite pour moi c'est une grosse mythe, ou bien c'est un calamar. Hop. Et allez. Franchement, ça c'est. C'était du terrassage, mon ami! À la baston! Oh, putain, il y avait une pierre ici avant! À bord là-bas, il y avait une pierre, c'est sûr et certain! Persuadé, c'est des débris de pierre, ça. Hop. Hop les... Ouais. Ouais. Tous ces morts, c'est épouvantable. Bah écoute, moi je les vois pas, t'es mort. Donc Oh la puissance. Ah
Deux KO. Touché. Toi, je crois que c'est toi qui me balance des sorts depuis tout à l'heure. Je crois que c'était eux, espèce de gros mécouille. Si tu peux éviter d'en balancer autant de tes petites tornades à la con là, s'il te plaît. Ce serait gentil. Merci. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Eh bien, t'inquiète pas qu'on va passer d'abord là pour tout nettoyer ici. Ce serait mal me connaître de croire le contraire. Franchement. Ça ne sait vraiment que très mal me connaître. Le Calamite s'est entouré d'alliés puissants. Mais oui, ça c'est tout des pierres qui ont été détruites, ça. C'est les pierres, les reliques qu'on voit à chaque fois en fait. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Les reliques qu'on trouve, si on arrive à toutes les débloquer, apparemment on aurait un buff permanent. Moi, tout ce qui est permo, je prends. Permanent, j'aime bien les choses permanentes. Pas comme ma ta pas comme mon taf quoi. T'avais pas été permanent. Ah, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. De toute façon maintenant. Maintenant je vais vous le dire. Voilà, tiens, ta calamite là, ta calamite, on a retiré les bordels. Qu'est-ce? J'ai vite envie de le défoncer en avant, sa gueule. Le calamite nous attend. Mais restez sur vos gardes. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, bistouflette. Franchement, t'inquiète pas. Vraiment pas s'inquiéter pour moi. Je pense que ça ira très très bien. Hop, hop. Hop et adieu. Voilà. Hop, donc toi, ici. Petit chakram. Bon, les chakrams, faut kiffer quand même. Hein. C'est super classe. Faut dire ce qu'il y a. C'est super classe. Après, c'est peut-être parce que c'est de la merde, hein, les chakrams que j'ai. Mais. On touche pas beaucoup, beaucoup de monde en fait. Hop, 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 voilà, donc ça on avait déjà fait le tour. Donc on retourne par là. Cette fois on va essayer de mettre un doigt dans le cul du calamite. Si j'arrive à lui titiller l'anus, j'ai tout gagné. Ok. Aïe. Hop, hop. Hop. Wow. Wow. T'inquiète pas là, je m'occupe de tes petits bordels et... Wow. Je prends les deux. Allez! Vieille chose! C'était pas si terrible! Oh non, c'était pas si terrible! Quelle atmosphère étrange! Il se passe quelque chose d'anormal dans Gorgoat. Et je n'arrive. J'ai un mauvais pressentiment. T'as un mauvais pressentiment? J'ai monté de niveau!
C'était pas le calamite, ça! Il s'est fait défoncer! Ah! Bou, bou, bou! Tu t'es fait défoncer! C'est une humaine, ça? Mais c'est une humaine qui s'est fait défoncer! C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a une humaine ici? Observation. Finesse, sorcellerie. Voilà. Je. Hop, là, ils ont. Ils ont moins de mana. Niveau actuel, coût d'incantation réduit de 10%. Réduit de 13. Voilà. J'en ai foutu deux. La barrière, elle me protège déjà plutôt bien. Allez, 2, 3. Il faut 20 points en sorcellerie, j'en ai 11, donc j'ai encore le temps. Par contre, je fous aussi un point dans ça. Hop, voilà, je confirme. Et je voudrais donc être pas en. Ouais, non, ça je confirme, j'ai dit. Quoique. Ouais, ça j'ai dit, je confirme. Et en sorcellerie. Alors, faut 49! Oh, quel monde de cons! Acolyte, dégâts alimentaires plus 25, coup en mana moins 10, coup en mana moins 13, coup des dégâts alimentaires plus 30. Bon, on va prendre initié, hein, du coup. Pas les deux. Voilà. Ici, ça sert à rien. Par contre, en armure, j'ai vu. Dans chez Rob, là j'ai ça, mais ici j'ai 5 hémorragies, 6 au poison. Bon, en gros, on s'en fout. En plus, c'est la même. Pour les jambes, on s'en fout. Chaussures de l'antivenin, plus 10 régénération de mana par seconde. Pff, ouais, carrément, ça vaut pas le coup. Et le talisman. On s'en bat les steaks aussi. Enfin bref, il n'y a pas grand-chose qui vaille vraiment le coup dans ce que je viens de looter. Oh, enfin! Il avait avalé 2 tonneaux de vin et comblé toutes ses amantes. Enfin, épuisé par ses plaisirs anodins, assommé par l'ivresse, il s'était endormi. La, c'est ce qui vient de nous sortir. Voilà, ce que je vais faire, c'est je vais d'abord vider les petits coins avant que ça m'arrive sur la gueule pendant le combat. Parce que lui, il en est clair que c'est pas du tout mon kiff en fait. Il faut pas s'inquiéter, mon coup final, je le réserve pour la calamite, mon attaque spéciale. Pour masse XP sur la calamite. Mais pourquoi il est tout. C'était pas si terrible. Non, ça c'est une faille. Mais bon, t'as crevé aussi, toi. C'est une grosse quiche, ma parole. T'es même pas morte contre la calamité. T'as même pas passé les petits trucs à côté. Oh là là, quelle bande de naze. Là-bas. Là. Hop. Il y avait la pierre qui était encore en bon état. Bâton. Le squelette. Venez ici tous les deux, tous les trois. Hop les. Voilà. Voilà. Hop. Venez, ce passage mène. J'ai un mauvais pressentiment. 21, la compétence observation. Ouais, si tu veux. Voilà. Voilà. Note, il envoie des boules de feu, ils sont déjà tous morts. Je sais pas ce qu'ils cherchent, hein, mais. Venez, ce passage mène jusqu'au cœur de Gorgoath. Mais J'ai un oui, mauvais je pressentiment. sais. Mais laisse-moi tranquille là, je viens de clean. Je viens de tout clean. Donc tu me laisses tranquille, tu me laisses faire mon taf, pépère s'il te plaît.
C'est quoi ces grandes têtes là sur les côtés là? Une tête? Oh, y a... Oh, deux têtes! Une tête, deux têtes, trois têtes. L'âme faille tout prendre. Comment est-ce possible? Ah ouais, Sir Sagrel est Sir mort, bah Sagrel est oui. mort, je ne comprends pas. Depuis ses origines, cette balade n'avait jamais connu pareille tragédie. À la Bah, il faut fin de bien, hein. l'histoire, Sagrel réussit à pourfendre le Calamite. Il est victorieux. J'ignore comment, mais quelqu'un a changé la balade de Sir Sagrel. Silence! Nous ne sommes pas seuls. J'ai un mauvais pressentiment. Bah, c'est ton calamite, ça. Hein? Oh, revenons ce bordel. Hop, voilà. Hop, comme ça, tu rentres à la maison. Ah, en moins. Tiens, un bouclier de l'été. What? Oh non! Vas-y, inventaire. Armure. Vas-y, bric-à-brac, bric-à-brac. Bric-à-brac. Bric-à-brac et bric-à-brac. Non. Parce que là, du coup, je suis encore plein normalement en inventaire. Santé 60, ouais, 70 sur 70. Donc inventaire, bric-à-brac. Tout détruire. Bouclier violet, tu crois que je vais le laisser par terre, toi? T'es pas malade. Achou! Moi, ça me fait pas rire. Au sol. Vieille charogne. En fait, t'es comment? Putain, ouais, je t'ai mis à branler là, mon gars. Même pas t'y as pensé. Même pas t'as voulu te sauver, tellement je t'ai fouetté le cul. Et mon collègue, il est où là? Il est mort? Il est pas mort, mon collègue? Ah, ce con! Oh! Oh, ce con, il est mort. Ah, quel pas doué! Oh, y a pas de calamite, hein. Écoute, j'ai pas vu le calamite, hein, moi. N'ai pas vu. Là, par contre, y a plein de petites bestioles. Chuck, jump, jump, chim, boom, chuck, jump, chim, boom. Hachetata! Ah, dans ta grande gueule! Comment je l'ai explosé à grand coup de marteau? Full XP, plus 397, plus 387 XP. Ça fait du bois, hein, ça. Toujours bien à prendre. 60, 67, 70, voilà. Et voilà. Allez, on va sortir de là. On dégage. Dégage de là, toi. Allez, rentre à ta maison. Voilà. Le chakram dans ta gueule parce qu'il n'y a pas de respect, aucun respect. J'ai déjà fait le tour partout en plus, donc c'est des tas de cailloux. Donc voilà, maintenant on peut sortir. Là, on sort ici. Voilà.
Donc ça, il me dirait bien sûr de retourner là-bas. Mais moi, j'ai pas que ça qu'à foutre. Je vais aller faire la lettre de recommandation, ce qui me demande d'aller là-bas. Je pense que je vais passer par là. Voilà. Là-bas, en plus, il y a une pierre magnifique, magnifique. Jours anciens où la sage prêtresse Bayala Tirin parla à Laïria, la déesse. Le peuple n'ayant rien oublié après la guerre, demanda la mort. Hop, pour la fonder cette répugnante et pitoyable tribu, dirent les deux calfars. Épargner ces pauvres sa tête ne me revient pas. Ouais, regarde. Hop, elle te revient pas, ma tête, hein. Espèce d'enculé. Prends ta maison. On parle pas comme ça, moi. On me dit oui, messire. Merci, messire. Vous êtes bon avec moi, messire. Quittant Fieriol et son froid glacial, Bayala Tirin, l'esprit guidé par Laïria, partit en pèlerinage. Regarde-moi ça, là. War Zazat! War! War! Il y a encore temps de fuir! C'est la fin. Tu connais ces massacres? Personne. Personne ne mourra. Crevez tous, bande de fils indignes. Oh, comment je les ai défoncés? Je les ai défoncés, défoncés, quoi. Bouteille de lait, quoi. Inventaire, accessoire, chevalière, 55 dégâts. Voilà, comme ça j'ai les deux. Consommable. Pension de soins mineurs, bric-à-brac, parce que y a pas de respect. Pension instable. Les trois. Bric-à-brac. Voilà. Objet. Pierre entaillée. Codifichet sans valeur. Bric-à-brac. Voilà. Note de hop là, ok, ça on s'en fout, on met là. Accessoires, ça c'est bon. Armure, ce qui est capuche, tout ça, voilà. Alors, main, on va les garder. Par contre, jambes, j'en ai pas besoin du coup. Donc, bric-à-brac, piège, j'en ai besoin. Bouclier, alors, plus 10% de dégâts élémentaires, plus 7 aux dégâts, plus 10% d'armure. Plus 5 résistances de dégâts hein, contre l'obscurité, contre la lumière, protège-moi, soleil de la nuit hivernale. Bon, bah allez. Ah, il nous faut 600 finesse, dommage, j'aurais bien voulu voir. J'aurais bien voulu voir. Tant pis! Bric-à-brac, hop, hop, oui. On va faire hop, oui, hop, comme ça, voilà. Bouteille de vin, bâton. Toi, je t'ouvre, hop, des pièces. Voilà, il n'y a pas de respect. Toi, je te fouille, hop, une doublure.